J'ai pu remarquer que vous venez d'horizons très variés sur ma chaîne et sur mon site. Pour la plupart, vous êtes simplement intéressé par la culture générale et vous venez découvrir des œuvres variées. Mais il y a aussi beaucoup de lycéens qui passent le bac, des étudiants en prépa littéraire ou en lettres modernes. Certains préparent les concours comme le CAPES ou l'agrégation. Et j'ai aussi beaucoup échangé avec des profs de français qui utilisent mes vidéos comme outil pédagogique. En tout cas, vous êtes tous très curieux, souvent passionnés de culture, et même pour certains, vous êtes déjà écrivain en herbe. Eh bien, je vais tout de suite vous expliquer la philosophie de mon site pour que vous puissiez l'utiliser au mieux. Déjà, tous les textes que j'ai traités sur MediaClass sont des grands classiques. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous trouvez un titre qui vous tente, n'hésitez pas à aller le découvrir, même si l'œuvre vous semble difficile à aborder. Vous allez voir que justement, le but de MediaClass, c'est de rendre accessible n'importe quel ouvrage. Si vous voulez savoir à l'avance ce que je vais publier, vous pouvez vous abonner à ma lettre d'info. Je vous enverrai alors un petit email à chaque publication et je vous dirai à chaque fois ce que je prépare par la suite. Pour trouver plus facilement ce que vous cherchez, vous avez un petit moteur de recherche. Par exemple, je veux uniquement les pièces de théâtre. Je me rends ensuite sur la lettre R pour trouver les pièces de Racine. Ensuite, vous avez toujours la petite croix pour annuler la recherche et retrouver toute la bibliothèque. Par exemple, on va maintenant prendre un roman très connu, mettons L'étranger d'Albert Camus. Vous avez certainement ce livre chez vous. Je vais peut-être vous choquer ou vous étonner, mais je vous conseille de regarder mes vidéos avant de lire le livre. Vous pouvez aussi alterner et regarder un chapitre en vidéo avant de lire le chapitre du livre. Et là, je sais ce que vous dites, est-ce que ça ne risque pas de gâcher le plaisir de la lecture? Eh bien, je pense que c'est le contraire. On profite bien mieux d'un grand classique quand on a les clés de lecture. En fait, dans un grand classique, le plus important et le plus intéressant, ce n'est pas le quoi, ce qui est raconté, mais le comment et le pourquoi. Quelle est l'intention profonde de l'auteur quand il écrit? Et comment fait-il passer cette intention? Le scénario en soi n'est qu'un support. Et voilà pourquoi on retrouve toujours les mêmes mythes sans cesse réécrits et transformés. On se souvient tous s'être confronté à un livre difficile sans avoir les clés de lecture. Les symboles sont obscurs, voire même invisibles. On passe à travers les mots sans vraiment comprendre pourquoi ils sont agencés comme ça. Et du coup, des phrases entières nous semblent inutiles. En fait, c'est comme si on essayait de jouer à un jeu sans connaître les règles. C'est tout simplement une perte de temps. Quand on regarde une série, spontanément, on va chercher du suspense, on a peur d'être spoilé, qu'on nous gâche la fin. Mais vous avez certainement remarqué que les meilleures séries et les meilleurs films sont justement ceux qui contiennent plein d'indices cachés, qui sont comme des petites prophéties déguisées. Eh bien, le classique généralise ce principe. Il est impossible à spoiler, on peut pas vraiment le gâcher, car tout l'intérêt consiste non pas à le lire, mais à le relire. MediaClass vous permet de passer directement à la deuxième ou à la troisième lecture. Quand on découvre L'étranger, il est beaucoup plus intéressant d'explorer les premières pages en sachant que Meursault sera condamné à mort pour meurtre à la fin du roman. Sa culpabilité est présupposée, elle éclaire chaque mot, chaque symbole. Un des effets les plus utilisés en littérature, c'est ce qu'on appelle l'ironie tragique. L'auteur fait sans cesse des clins d'œil à son lecteur averti. À vous de devenir ce lecteur averti. Mais l'ironie tragique n'est qu'un exemple parmi d'autres. Si vous savez en plus que le meurtre de Meursault illustre l'absurdité du monde, si vous connaissez l'allégorie du mythe de Sisyphe chez Camus, vous allez bien mieux profiter du livre. Je vais résumer mon idée d'une manière très simple. Apprenez l'alphabet et la langue d'un auteur avant de le lire. Et voilà pourquoi je vous propose d'aborder le livre plutôt comme un jeu de pistes que vous allez parcourir en connaissant à l'avance les clés de lecture. Ces clés, je vous les donne sous forme de petites cartes qui apparaissent sur l'écran. On peut dire que ce sont des axes de lecture ou des fils rouges qui parcourent l'ensemble de l'œuvre littéraire. Ces fils rouges, on va justement les retrouver dès qu'on va s'intéresser de plus près aux extraits. Quand j'ai commencé ma plateforme MediaClass, je n'ai pas tout de suite fait des dissertations ou des vidéos de méthodologie ou des résumés d'œuvres. Non, je suis parti des extraits et j'ai fait des analyses de texte. Pourquoi? Parce que, à mon avis, tout part de là. Prenons par exemple Candide de Voltaire. Vous voyez que j'ai réalisé 6 analyses de texte. La plupart du temps, je réalise un commentaire linéaire, c'est-à-dire que j'analyse le texte au fur et à mesure, sur le modèle de ce qu'on demande au CAPES. Pourquoi? Ce n'est pas un hasard, cela permet de faire émerger, dans le désordre, tous les éléments nécessaires pour faire votre propre commentaire composé. Et là, je m'adresse aussi aux professeurs de lettres. Le but de MediaClass, ce n'est pas de fournir des corrigés tout faits. Impossible de faire du copier-coller à partir de mes vidéos. Non, ce sont des supports conçus pour le travail en autonomie, qui est, comme vous le savez, le meilleur moyen de progresser réellement. Du coup, je conseille à tout le monde de regarder mes vidéos avec un stylo à la main en cherchant des informations précises qui vont vous être utiles par la suite. D'abord, comment l'introduction est-elle réalisée? Quelle est l'accroche utilisée? En quoi est-elle bien adaptée à la problématique? Ensuite, quels sont les thèmes retenus? C'est assez simple, il suffit de repérer les petites cartes qui apparaissent à l'écran. Mais les thèmes fonctionnent ensemble, comme un système d'idées.
Ils peuvent être regroupés en parties, ce sont les axes de lecture. Vous allez donc pouvoir élaborer le plan vous-même, notamment en vous aidant de ma conclusion qui récapitule tout le raisonnement. Enfin, quels sont les phénomènes de langage analysés ? Notez les définitions des figures de style, vous pouvez vous faire votre propre petit dictionnaire, et regardez comment le langage utilise des ressources qui vont beaucoup plus loin que les seules figures de style. Chaque catégorie grammaticale, chaque valeur des temps, a un rôle. Dans un texte littéraire, rien n'est utilisé au hasard. À cette étape, vous avez tout ce qu'il faut sur votre feuille de brouillon pour réaliser votre propre commentaire composé. Il n'y a plus qu'à remettre les éléments dans l'ordre et à vous lancer dans la rédaction. Maintenant, vous allez me demander, est-ce qu'il faut vraiment tout rédiger ? À quoi ça sert de faire un commentaire composé ? Je vais essayer de vous montrer pourquoi la rédaction du commentaire composé est vraiment un exercice complet et central qui fait travailler toutes les compétences. C'est exactement comme une grande salle de sport, il y a tout pour travailler tous les muscles, sauf qu'il s'agit là des muscles du cerveau. D'abord, rédiger un commentaire composé, ça vous oblige à choisir vos mots, à trier vos idées et à développer un raisonnement argumenté. Vous apprenez à utiliser des exemples pour devenir convaincant. En faisant beaucoup de commentaires composés, vous allez devenir plus crédible dans toutes vos prises de parole, à l'oral ou à l'écrit. Vous vous préparez déjà à l'argumentation. Mais en plus de ça, vous explorez le langage, vous allez à la recherche des techniques d'expression des plus grands auteurs de la langue française. Repérer les figures de style, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est pour pouvoir ensuite les réutiliser vous-même dans plein de situations. On sait tous que c'est important de savoir utiliser des arguments rationnels, mais il faut aussi savoir exprimer les émotions qui portent vos idées. Cela sera utile tout au long de votre vie. Autre intérêt, une fois que vous avez repéré les figures de style les plus utilisées, vous saurez les reconnaître chez les autres. Et c'est là le dernier avantage d'étudier les textes eux-mêmes. C'est très important pour ne pas être dupe des effets de langage qu'on rencontre tous les jours, dans la publicité, sur les plateaux télé, etc. Plus vous allez travailler sur des textes évolués, et plus vous allez gagner un esprit critique. Méfiez-vous des tautologies, des faux syllogismes et des arguments d'autorité. Souvent, on dit que la dissertation est l'exercice intellectuel par excellence. Ce n'est pas faux, mais justement, le commentaire composé est la matière première de toute dissertation. Sans connaissance préalable, pas de dissertation, vous travaillez à vide. Si vous ne vous sentez pas prêt à discuter d'un sujet, c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas encore assez étudié. Si vous ne vous sentez pas de faire une dissertation littéraire, c'est peut-être parce que vous ne vous êtes pas encore assez confronté aux textes eux-mêmes. Et voilà pourquoi, plus vous allez découvrir des textes variés, et plus vous allez être à l'aise, vous allez reconnaître des idées similaires qui reviennent. À force de rencontrer mes petites cartes, avec les mêmes images, vous allez vous rendre compte qu'il est facile d'utiliser ces thèmes pour créer vos propres plans. En fait, ma plateforme, c'est un peu comme un gigantesque exemplier pour nourrir vos dissertations. Au fond, une dissertation, qu'est-ce que c'est ? C'est seulement un assemblage de plusieurs petites analyses de textes qui constituent un raisonnement global sur la littérature française. Mais vous n'avez pas des années devant vous pour lire des dizaines d'ouvrages. Pour acquérir rapidement une bonne culture littéraire, il est beaucoup plus efficace de faire quelques analyses bien ciblées sur quelques œuvres que de lire longuement des tonnes d'ouvrages sans les comprendre et sans les retenir. Je ne vais pas trop développer ce dernier point pour l'instant, parce que je suis encore en train de développer une méthodologie générale pour cet exercice. Mais MediaClass est aussi conçu pour se préparer à l'écriture d'inventions. Peut-être même que, en dehors d'un cadre scolaire, certains d'entre vous ont l'ambition d'écrire leur propre roman. Eh bien, vous allez maintenant pouvoir utiliser vous-même les effets de langage que vous avez trouvés dans les textes que vous avez fréquentés. Comme tout bon artisan, avant de commencer un ouvrage, il faut d'abord mobiliser les outils dont vous allez avoir besoin. Comme tout bon musicien, avant d'improviser sur un instrument, il est utile de connaître au moins quelques gammes et quelques accords. Dans mes vidéos de méthodologie, je vous donne tous les conseils issus de mon expérience. Comment gérer son temps, comment trouver des idées rapidement, et je vous donne même des astuces pour construire un plan cohérent. Mais une fois que vous avez la méthode, vous allez voir que ce n'est pas toujours facile de passer à la pratique. Même en regardant des corrigés super bien faits, c'est difficile de voir comment on procède pour obtenir ce résultat. Parfois c'est même intimidant, on se demande si on sera capable de faire aussi bien. Et c'est là que la vidéo est vraiment un outil intéressant. Je vais vous montrer pas à pas comment on réalise un commentaire composé, une dissertation, une question de corpus. Au lieu d'avoir une série de conseils abstraits ou bien un résultat déjà tout prêt, vous allez pouvoir regarder comment on procède étape par étape sur des sujets d'anal. Alors je dois avouer que moi-même je n'étais pas un très bon élève en classe, je trouvais que les profs allaient trop vite. Parfois, je manquais la fin du cours parce que j'étais justement encore en train de méditer sur le début. Et non, je ne dormais pas, je crois que je méditais surtout. Et bon, c'est vrai, parfois je regardais un petit peu trop par la fenêtre. Bref, c'est normal, on a tous nos moments d'inattention. Et c'est une des raisons qui m'a fait me tourner vers la vidéo. On peut mettre en pause, s'arrêter, revenir en arrière si besoin. Un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est de savoir trouver son propre rythme. Si vous n'avez pas fini une vidéo, si vous souhaitez la mettre de côté pour l'instant, rien de plus simple. Il suffit de mettre le cours dans votre espace personnel, vous pourrez facilement y revenir plus tard. Et puis, une fois que vous avez tout compris, pas la peine de le garder, vous pouvez l'enlever facilement.
Pour poser une question et donner votre avis sur la plateforme, rendez-vous sur mon livre d'or. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter par email mediaclass.fr@gmail.com. Je peux parfois vous donner par email un indice ou un lien utile, mais attention, je ne vous donnerai pas de réponse toute faite. Même si ça vous arrange sur le moment, ce ne serait pas vous rendre service. Chaque exercice est l'occasion pour vous de faire des recherches, de vous entraîner et de vous améliorer. Je tenais aussi à mettre en place un espace de communauté. Et là, je m'adresse d'abord aux blogueurs et aux youtubeurs. Si vous avez une chaîne sur le français, la littérature, l'art ou la culture en général, n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai réalisé un formulaire exprès pour ça dans le profil. C'est une bonne manière pour vous d'avoir une meilleure visibilité. Et personnellement, je trouve que les contenus de qualité ne sont pas assez mis en avant sur YouTube. Du coup, j'essaye d'y remédier à mon niveau. Si vous voulez aussi découvrir des interprétations originales, plus drôles ou plus avancées, ou tout simplement vous détendre entre deux cours, n'hésitez pas à explorer toutes les chaînes de qualité que je présente à cet endroit-là. Ça vaut le détour. Maintenant, pour accéder à tout mon contenu, vous pouvez prendre un abonnement. Vous allez voir, je propose un prix libre. Mon idée, c'est de rendre mon projet accessible à tout le monde, en faisant fonctionner la solidarité. Quand vous participez, il faut savoir que les forfaits les plus élevés vont compléter et rendre possible le forfait minimum à 2€. En tout cas, à partir du moment où vous participez, c'est très utile, vous m'aidez à développer le site et à multiplier les contenus. Du coup, ce n'est pas vraiment un acte d'achat, mais plutôt un soutien sur le mode du mécénat. Ma plateforme, c'est un petit peu comme une maison sur pilotis. Quand vous participez, vous renforcez l'architecture générale. J'en profite pour saluer et pour remercier tous mes abonnés qui me font confiance. Merci à vous. Alors, j'ai de temps en temps des petites questions sur le système de paiement. Je sais que Stripe n'est pas un système de paiement aussi connu que PayPal, mais c'est totalement fiable. En fait, c'est le mode de paiement qui m'a été recommandé par Le Wagon. Le Wagon, c'est ceux qui m'ont formé au développement web et ils savent ce qu'ils font parce qu'ils forment des centaines de développeurs à travers le monde. Vous pouvez avoir confiance. Pour faire cette vidéo, je me suis basé sur de nombreuses questions que j'ai reçues au fur et à mesure sur Twitter et Facebook ou dans des commentaires YouTube. Si je continue à recevoir des questions, je ferai d'autres vidéos de type FAQ. Ce sera l'occasion de développer un nouveau format. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Vous avez notamment le livre d'or que je consulte régulièrement et qui me permet d'avoir votre avis sur le site et un retour sur votre manière de l'utiliser. À bientôt les amis.